Hey, salut à tous! Me revoilà pour un nouveau vlog parce que j'ai très envie de vous parler d'un projet auquel je vais participer et qui aura lieu cet été et qui promet d'être vraiment exceptionnel, surtout si vous êtes fan d'Harry Potter. Et je sais que vous êtes fan d'Harry Potter! Enfin, je crois. Sinon, vous ne pouvez pas être mes amis. Voilà, c'est tout. Au revoir! Faut que j'arrête ça. C'est vraiment très nul. Il faut que j'enlève cette blague, elle est pas drôle. Il s'agit du Wizard Spectacular. Il s'agit en fait d'une soirée sur le thème d'Harry Potter. Et en fait, en tout, il y aura donc trois soirées, le 20, 21 et 22 juillet 2018, à Mandres-les-Roses dans le 94. Ces trois soirées sont identiques en fait, donc si vous en faites une, c'est bien. C'est très bien. C'est suffisant. Si vous voulez venir à la deuxième, c'est super, mais ce sera la même chose que la première. Et puis alors la troisième... Et bah tout pareil quoi. Mais du coup, ça nous ferait super plaisir de vous voir en trois. Voilà, voilà, voilà. Au programme donc, des stands en extérieur qui sera situé sur le chemin des sorcières, où vous pourrez boire et manger des petites choses en rapport avec Harry Potter. Et donc en fait, il s'agit d'un décor vraiment digne de cinéma. Un décor du chemin de traverse à la française. This is the French touch. Il y aura un concours cosplay avec des lots à gagner qui sont quand même vachement bien parce que il y a quand même une place pour le studio à Londres. Rien que pour ça, personnellement, j'aurais très envie d'y participer. Je ne pourrais pas, malheureusement, mais c'est le genre de truc qui perso me motive totalement. Il y aura un spectacle de magie avec donc la magie de Fred et Georges. Et pour finir, dans la salle sur commande, il y aura un dîner buffet spectacle, donc en fait il y a un spectacle qui se déroule sur scène, des petits morceaux de spectacle, ensuite vous mangez l'entrée, repetit morceau, vous mangez la suite, repetit spectacle, vous mangez la suite, etc. Et donc moi personnellement j'ai l'honneur de jouer dans ce spectacle, donc je suis super excitée et super contente parce que ça va être une expérience plus ou moins nouvelle. J'ai l'habitude de monter sur scène pour jouer dans des spectacles tout simplement. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu vraiment l'occasion de monter sur scène pour jouer dans un spectacle vraiment axé sur Harry Potter en jouant certains rôles. Donc ça va être sympa. Après le spectacle, il y aura une soirée dansante avec un DJ et vous aurez bien sûr la possibilité de vous faire... Oh, flûte alors. Et vous aurez bien sûr la possibilité de vous faire prendre en photo avec les artistes. Et je rajoute que vous aurez peut-être, sûrement, la chance de croiser deux ou trois animaux nocturnes lors de cette soirée. Pour ma part, comme je l'ai déjà dit, je vais jouer pas moins de trois rôles dans le dîner spectacle où seront représentées quatre grandes écoles de magie et le spectacle se déroulera en quatre parties. Alors, je vais vous donner les thèmes pour vous donner un petit peu envie de venir. La première partie, ça sera Welcome Wizards. La deuxième partie, Radio Moldu et Sorcier. La troisième partie, Mauvais présage, oh, le Sélistros. Je n'ai pas du tout spoilé. Quatrième partie, le bal. Et du coup, je n'en dis pas plus pour le moment parce que je n'ai pas du tout envie de tout vous spoiler. Ça serait vraiment dommage parce que c'est un spectacle qui est inédit. Donc, si vous ne venez pas, eh bien, vous ne le verrez pas. La logique. La logique. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pas écrit, hein. Le genre de blague que je fais, là, comme ça, c'est pas du tout écrit. Mais je peux pas m'en empêcher, c'est que je parle, ça sort tout seul. Ce spectacle, pour rester sérieux, ce spectacle promet vraiment d'être grandiose, car il accueillera des danseurs professionnels, il y aura des costumes, mais magnifiques. Je vous laisse aller faire un tour sur la page Facebook de l'événement, qui publie de temps en temps des petites photos pour teaser un petit peu, des costumes, des accessoires, etc. En plus de ça, le lieu sera décoré pour faire une immersion totale, une plongée dans le monde d'Harry Potter, avec des décors de style studio de cinéma. Et bien sûr, il y aura plein d'autres surprises, mais on ne peut pas en dire plus, parce que ça serait vraiment gâcher le plaisir et les surprises, donc ça serait trop dommage. Donc pour l'instant, je m'arrête là. Alors, je ne peux que vous encourager à venir passer ces soirées avec nous, et n'hésitez surtout pas à réserver vos places dès maintenant, parce qu'elles partent très très vite. Donc attention! Ça serait quand même dommage que ça vous file sous le nez. Une occasion comme ça, ça ne se manque pas. Bon, dans tous les cas, je vais vous mettre tous les liens dans la description qui sera juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur Facebook, sur la page de l'asso, sur la page de l'événement.
Il y a plein de petites infos, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui viennent teaser. Donc ça met l'eau à la bouche, ça donne envie. Je vous mets évidemment le lien pour réserver vos places. Je vous rappelle que ces trois soirées exceptionnelles et inédites se dérouleront les 20, 21 et 22 juillet 2018 à Mandres-les-Roses, dans le 94. Voilà, donc j'ai fini de parler. Donc à présent, je vais retourner travailler sur la post-production d'Apprends la magie avec Hermione saison 3, qui avance petit à petit. Je sais, c'est long. Je vous demande d'attendre, je vous demande d'être patient, mais c'est comme ça, voilà. Y'a pas le choix. Donc du coup, je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous. Voilà, je fais 3 parce que 3 est un nombre vraiment chouette. Parce que quand on met 3 pavés sur le sol, on a le début, je vais faire dans ce sens-là parce que vous lisez dans ce sens-là, le début, le milieu, la fin, ce qui fait de lui un nombre complet. C'est le passé, le présent, le futur, il n'y a pas besoin de plus, ouais, c'est quand même un truc de ouf. Et du coup, chez les Grecs, ce nombre était considéré comme un nombre complet, un nombre qui symbolise un petit peu la perfection. Tout comme le nombre 6, parce que le nombre 6 c'est quoi? Le nombre 6 c'est l'addition des 3 premiers chiffres, 1 plus 2 plus 3 ça fait 6, mais aussi la multiplication des 3 premiers chiffres, 1 fois 2 fois 3 ça fait 6, c'est pas un truc de ouf? Et le nombre 9? Le nombre 9 c'est quoi? 3 fois 3, parfait, parfois parfait, mais ultra parfait. Je ne sais absolument pas pourquoi je raconte ça, mais j'avais très envie de le dire. Donc c'est sur ces belles paroles que je vous quitte. Je me fatigue toute seule. Allez, salut!